Elle est un des derniers producteurs de pommes à Vérin-Sarvet, à côté d'Albertville, sur ce coteau de la pomme en plein cœur de la Combe de Savoie. Maurice, bonjour. Bonjour. Maurice, il en reste plus que deux aujourd'hui à Vérin-Sarvet. Oui, ben oui, on n'est plus que deux producteurs. Oui. Voilà, on est sur un coteau magnifique, on va bien le montrer ici, dans une grande pente bien ensoleillée. Alors les spécialistes l'auront vu, c'est pas un pommier derrière nous. Hein. Ah non. C'est un prunier. C'est un prunier, oui. La couette, hein, c'est ça? Oui. 2,5 hectares de pommes, c'est ça? Hein. Oui, oui. Alors, la pomme se ramasse en septembre? Ah oui, maintenant, il faut attendre la prochaine récolte. 70 tonnes en moyenne? Oui, à peu près, oui. Mais cette année, pas grand-chose? Ah non, cette année, non. Oui. Alors, pour avoir de la pomme, on est à la ferme des Collets, hein. On rappelle le village des Collets, ici, sur Vérin-Sarvet. On voit ce soleil magnifique, ici, aujourd'hui. Et vous avez d'une production que vous vendez, en gros, de septembre à mars? Voilà. Et cette année, on ne peut, plus en demander, hein. Ah non, cette année, on est en... On n'a plus de stock. C'est quoi la grande spécialité, la pomme la plus récoltée ici, c'est quoi? Bon, c'est surtout Renette Canada Grise, oui. Et puis Golden. Oui. Et donc, on rappelle la ferme des Collets, si on veut en acheter. Cette pomme, elle a quoi de mieux que les autres? Celle d'un... On est à 400 mètres d'altitude ici. Hein. Oui, 400 mètres. Ouais. Quel est le plus de cette pomme, c'est quoi, Maurice? Oh, disons qu'on a peut-être une qualité qui est peut-être supérieure. Quoi. Oui. Elle est plus gustative. On peut dire qu'elle est plus gustative. Plus sucrée, oui. Plus sucrée, oui. Oui. Et on rappelle que vous les vendez ici à la ferme des Collets. Hein. Ceux qui seraient intéressés, attendent le mois de septembre, c'est ça maintenant. Hein. Voilà, oui. De septembre à mars, on vous trouve facilement, Maurice, ici. Oui, hein. Oui, en général. Ou alors vous appelez sur le bottin. Sur le bottin. Sur l'annuaire, tiens. Voilà. Maurice, on mettra le nom. Bergeret. Collé ici, effectivement. Avant, il y avait des pommiers partout. Eh oui, tout le coteau était pratiquement planté. Voilà, et maintenant, c'est un peu disparu. Eh oui. Alors, on a vu la pente ici, le terroir est bon, et on voit très bien là, à quoi ça ressemble. On voit les massifs d'ébauche derrière. C'est quoi le plus? C'est le climat? C'est le terroir? C'est quoi? C'est les sols qui sont ici ou... Bon, disons qu'on a peut-être des sols, ouais, des sols qui sont bons pour la culture de la pomme. Hein. Oui. On peut dire que Vérin-Sarvet... On a un peu des grosses terres, donc on craint un peu moins le sec. Oui. Oui. Ça pousse bien. Oui, voilà. On peut dire que Vérin-Sarvet est un peu la capitale de la pomme ou pas? On peut peut-être pas dire que Vérin-Sarvet est la capitale de la pomme, mais maintenant, peut-être oui. Oui. Mais à l'époque, c'était surtout sur le secteur Mercury. Oui. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, c'est ce qu'on a entendu dire. Voilà, vous confirmez? Ouais. Ouais, ouais. Vous en mangez combien par jour? Oh, moi j'en mange bien 2 à 3. Laquelle? Ah, ben, moi, la préférée, c'est la Golden. La Golden, voilà. Eh bien, ça s'appelle la ferme des Collets, au village des Collets, ici sur Vérin-Sarvet. On montre l'endroit ici, magnifique, avec l'ébauche derrière. On est à 2 pas d'Albertville, 8 km d'Albertville, dans un endroit absolument magnifique. Maurice, merci beaucoup et puis bonne récolte en 2018, on vous le souhaite, meilleur que 2017. On vous le dira ça au mois d'avril ou mai. Merci.